Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Paris avec Jean-Bapt au 27 rue Sambre-et-Meuse au Petit Curieux. Ce sont des très bons restaurateurs et apparemment aussi mélomanes. Allez, on a filmé près de chez vous, c'est parti. C'est parti. Son masque. Et oui, à Paris maintenant, c'est magnifique, hein. Je suis hyper emballé, j'adore le style. Pour un ? Bah bien sûr, très bien, merci beaucoup. Donc du coup, vous me disiez que c'est sur le thème de la musique, votre restaurant. Tout le lieu, en fait, c'est mon restaurant. Oui. J'ai créé avec Luc-François Granier, un peintre français qui vit à Venise. D'accord. L'idée, c'était de construire un restaurant qui est autour de la musique et toutes les pièces uniques. D'accord. Et là où il s'est exprimé Luc-François, tout le lieu, c'est lui qui l'avait dessiné. Si vous avez remarqué, vous pouvez voir les lustres, son clé de sol et clé de fa, c'est des pièces uniques. Et c'est en chêne massif. Ça donne référence à la caisse de résonance du violon, du violoncelle, des instruments de cordes en général. Et là, c'est la table en forme de palette. Palette de peinture. C'est génial. Au frais. C'est génial. Tout est pensé. Oui. T'as pas remarqué qu'à chaque fois, on tombe dans un endroit où il y a une super cave à vin. Mais peut-être aussi parce que... on a le flair. Alors écoute, c'est génial, j'adore le style. Et en vin, je me laisserai bien tenter par le Montagny Premier Cru, le Vieux Château, oui. 2018. Eh ben c'est parfait. Allez, un petit peu gras comme il faut. Merci beaucoup. Hein. Très bien. Santé Jean-Baptiste. Santé. Alors je vais vous prendre le gravlax de saumon et le filet de rouget en plat. Avec plaisir. Et moi je vais prendre la poêlée de champignons en entrée s'il vous plaît. Et après la caille farcie. Hein. Magnifique. Aux champignons des bois. Magnifique. J'aime beaucoup quand on commence à me servir de l'huile d'olive et où je sais que je peux tremper mon pain. Exactement. Ah. Alors les entrées. Ça. Oh c'est très beau hein. Tiens. C'est ça, c'est ce qu'on a. Bon appétit Jean-Baptiste. Bon appétit Greg, je crois que ça va bien se passer hein. C'est excellent, le saumon fumé est délicieux. La présentation est soignée, la ouais. Nourriture est qualitative, ouais. J'adore. C'est très bon. T'as vu les cèpes dans la sauce avec l'œuf comme ça, ça se marie hyper bien hein. Tu vois, c'est pas tous les jours qu'on est dans un restaurant avec autant de détails. Ah oui, non. Et c'est un voyage en dehors du temps. Voilà, mais on voyage vraiment chez le monsieur. Il est passionné hein. Mais passionné. Tout. Il a tout retranscrit, que ce soit dans les tables, dans les verres, tout. Oui tout. C'est un voyage en dehors du temps avec les amis, c'est beau. Alors la caille, c'est une petite caille fermière, levée en crapaudine, ça veut dire qu'on a levé au niveau de la carcasse, complètement désossée. Rouget barbé, qui nous arrive entier, c'est des 300-400 grammes qui viennent en direct de Bretagne. Ils font pas semblant ici, hein. T'as vu ça? C'est très beau. Hein. Bah, tu te régales. Hein. Oui, aucune fausse note. Ah non, aucune fausse note. Oh, c'est un jeu de mots. Hein. Ah oui. Avec les dermissements. Exactement. Ah, exactement. C'est le cas de le dire. Ça chante dans l'assiette, hein. Et c'est très beau. J'ai l'impression d'être à la chasse. C'est génial. Et on reprend une petite lichette de vin blanc. Mais pourquoi faire? Il est génial, bah t'es obligé de contrecarrer. Hein. Tu auras bien la place pour un dessert. Évidemment. Oui, évidemment. Ici t'es obligé. Tu as vu Jean-Baptiste? Oui. Il y a quand même une petite fleur pour oui. Indiquer produit ou plat végétarien. Et moi j'aime bien les restaurants où justement... Il y a un plat sur deux, c'est vrai. Ça pêche. Oui. Oui. On va bien montrer, on va voir tout ce qui se passe en cuisine, comme ça c'est génial. Allez, on va faire un tuto crème brûlée. On va chercher la belle flamme. Moi je la crème comme ça parce que ça permet de la chaleur de tourner autour de toute la crème brûlée et d'avoir une homogénéité et d'aller chercher le centre après. Voilà, c'est fait. Là je pose ça et on va sur le sucre. Pas trop. Juste un peu de chercher un peu. Ce logo-là, que je prends délicatement. Magnifique. Allez, le dessert. La tartelette. La tartelette, exactement. Voilà, avec la clé. Et, notre et le petit cœur. Et la crème brûlée, pareil. Merci beaucoup. Hein. Ah bah ça se passe merveilleusement bien. Hein. Et puis t'as vu d'avoir vu la composition du dessert, ça donne encore plus envie de le manger. Le fameux livre d'or de Petit Curieux. Je te sens inspiré, mon bon Greg, pour ce livre d'or. Extrêmement inspiré. Bon, mon bon Greg, c'était écoute, une... je suis emballé. C'est une, hein. C'est une adresse absolument fameuse. Voilà, il n'y a pas une fausse note. Génial. Encore, je recommande à 100%. Vous c'est avez de la part d'on a filmé près de chez vous. Ah, voilà. Et vous serez super bien accueillis comme nous. Gros bisous.